Conscient du fait que les symboles nationaux d'un pays jouent un rôle crucial dans la préservation de son identité, de son histoire et de son unité, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a initié une rencontre d'édification sur ces symboles tels que le drapeau, l'hymne national et l'insigne qui ne sont bien plus que de simples emblèmes. Nous avons le drapeau. Il est le symbole de l'identité nationale et résulte de la loi constitutionnelle numéro 8 du 18 août 1959. Il mesure 1,80 m sur 1,20 m. Le drapeau congolais est de couleur vert, jaune et rouge. L'hymne national, la congolaise, évoque la liberté, la foi, l'espérance. Elle exalte également le patriotisme. Lorsque une nation se trouve à un tournant critique de son histoire, elle doit avec sérénité réunir ses filles et fils pour se concerter et trouver des solutions et relever des défis. Le respect de ces symboles revêt une importance particulière, contribuant à renforcer le tissu social et à ancrer un sentiment d'appartenance à une communauté nationale unie. Quand on parle de la République, apparaît immédiatement les normes, les règles, les lois, les valeurs qui constituent le soubassement du vivre ensemble en paix, en harmonie, dans la quiétude et le bien-être tant moral, spirituel que matériel. La sensibilisation au symbole de la République qui représente les fondements de la nation et serve de lien puissant entre les citoyens se poursuivra dans les autres arrondissements de Brazzaville.